Messieurs, dames, la famille, la société, tout un ami, frère, accès, compatriote, moyen, tout un collaborateur qui connecte nous tout partout dans le monde. Là. Bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue sur la plateforme. Non, nous croyons c'est toujours amis ou serviteurs. Merci Dieu. C'est avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous tous gagnons pour l'autre. Toute équipe là à la ronde badé et nous comptons rencontrer ce week-end. Bon week-end à toutes les amis fanatiques nous yo. Toute équipe là est déjà motivée et mobilisée pour nous porter pour toute nouvelle et toute actualité qui a bouleversé la ville, pays d'Haïti ou à l'étranger avec un staff nouvelle là, information yo sur pays d'Haïti. Bonsoir tout le monde, merci parce que n'a écouté Radio Zilea. Bienvenue dans le dernier paraître journal pour ce maintenant. Mais quelques points n'a bien pour nous développer dans le journal là. Ça fait déjà 19 jours depuis Negaxam, presque 20 jours depuis Negaxam, t'es kidnappé ancien président conseil électoral là, Pierre Luropon, qui c'est tout propriétaire télé pluriel. 20 jours depuis. Monsieur Opon, Liname, Ravi Seyo, famille, journaliste Marie-Lucie Bonhomme, qui c'est madame li, lancé yon koutrel, même avec association, média, ak journaliste yo. C'est un monde qui intègre, yon papa, qui dévoué, un citoyen exemplaire, qui servit pays avec honneur et dignité, dévouement, il était toujours au service public, l'État. C'est un monde et c'est un bagage qui est admirable d'après ça, madame Lee. Marie-Lucie Bonhomme au pont écrit dans un appel pressé pour demander libération. Pierre lui au pont qui malade d'ailleurs et qui pas prend médicament depuis les nommés bandits qui étaient kidnappés là ça presque gagné 3 semaines, 20 jours déjà. Secrétaire général AJH là, Jacques Desrosiers, dit cri d'alarme association patron média avec journaliste lancé pour propriétaire télé pluriel là, Pierre Luropon. Il est comme principal objectif aider M. Opon, qui c'est un membre de corporation, retourner la Kali, pressé. N'a pas gagné pour nous entendre dans une interview, Jacques Desrosiers, by Radio Kiskeya, journée samedi. Et puis, état santé, confrère nous Astrel Jean-Brice, qui était fait un AVC, il n'est pas suspendu détérioré, malgré appel, pour recevoir assistance, famille a été lancée dans le jour passé. Isaac Costiné, neveu, journaliste Tropique FM, lancé un SOS pour demander tout citoyen bonne volonté, à tout le monde, à pire haut niveau d'État, pour te coller, pour permettre confrère à recevoir la soignée en République Dominicaine. 37 58 59 42, c'est dans le numéro ça, nous capables d'entrer en contact avec la famille. Chef mission organisation Médecins sans frontières en Haïti, Maman Bercha Hiro, il confirmé au prend décision camper toute activité dans l'hôpital MSF Tabac. Après un examen, il a envahi l'hôpital là dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet passé. Côté yon parti avec yon malade qui était fin sibi yon opération pour retirer yon balle nan kol. Ancien ministre et puis ancien sénateur Paul Denis qui a réagi sous deuxième l'année assassinat Jovenel Moïse, commémoration deuxième anniversaire de Mossa, c'était hier. Il fait qu'on a une juridiction qui gagne compétence pour mener enquête sous crime là, c'est la justice dans le pays d'Haïti. Dirigeant Inifos l'a estimé dossier, traitement dossier à la fois dans la justice américaine et dans le pays d'Haïti, pas facilité pour refait pour joindre coupable. Mais il faut que nous disions, il y a un businessman, Rodolphe Ja, qui a une nationalité haïtienne et chilienne, qui était plaidé coupable aux États-Unis et qui est condamné pour le passé toute résville dans la prison. Ancien sénateur Paul Denis, il parlait tout de. Et possibilité pour ta mettre campé conseil électoral provisoire et puis élargir au conseil de transition, il dit ça va porter un rien comme solution dans la crise qui a brassé bel pays. Il dit si pas un climat la paix, sécurité pour citoyens aussi que les libres et libres, aucun projet organisé élection pas abouti. C'est même position, docteur Ardouin Esther Louis-Charles, qui estimait si pas gain sécurité dans le pays,
créer conseil électoral provisoire et puis élargir ou au conseil à transition hein, pas vle dit en rien. Coordonnateur général Union nationale normalien haïtien yo professeur Josué Mérilien dit il pas prendre au sérieux annonce ministre éducation nationale là n'est-ce pas café pour interdire l'autre monde qui pas dans système éducatif là intégrer processus examen officiel. Dans actualité à l'autre bord de l'eau, ça fait 500 jours depuis la Russie et commencé bataille contre l'Ukraine qui va venir joindre appui plusieurs pays. 500 jours de guerre, donc 500e jour de guerre. Président ukrainien Volodymyr Zelensky les salue courage pays pendant qu'il visité l'île Serpent. La Russie voulait une réunion Conseil sécurité Nations Unies sur Nord Stream et la Russie qui estimait le fait que États-Unis promettent pour le bail Ukraine bombes à sous munitions, c'est un aveu de faiblesse qui va rendre Washington complice de morts civiles Zamsa capable provoquer. Il y a plusieurs pays qui réagissent. Même si il y a yo qui pas réagi par moyen dirigeant yo de l'Allemagne qui pas d'accord décision pour que yo ta livré zam à sous munitions by l'Ukraine pour aider le bataille avec la Russie. L'Ukraine méritait pour ta intégrer OTAN d'après président turc là Recep Tayyip Erdogan qui te recevoir à Istanbul Volodymyr Zelensky, l'imam de Kiev avec Moscou, qui donc la Russie avec l'Ukraine, pour yo chita parler, pour yo joindre une façon pour guerre camper. Six moun perdu la vie dans un crash, un avion privé qui tombé en Californie. Et six moun qui perdu la vie journée jeudi. Et avion ça, il a crasé dans sud Californie. D'après ça, autorité locale yo yo rapporté. Brésil gagne 11 monde qui mouri dans effondrement yon immeuble yo té occupé de manière illégale dans Paulista tout près Recife dans nord-est pays. Ça gagne 3 monde qui disparaît yo continue à chercher et monde qui gagne quelques monde qui rivé et sauvé. Par exemple, gagne une dame 65 l'année avec 2 adolescents qui était retiré au vivant en bas des combes immeuble ça qui tombé. Et puis marche en France contre violence policière, environ 2000 monde t'es participé dans rassemblement à Paris malgré rassemblement ça li pat autorisé ce rassemblement qui était visé mandé justice pour Adama Traoré dans mémoire Adama Traoré qui était mort après la police Stéphine arrêté et c'est Sully Assa Traoré qui était en tête mouvement ça la police ça pas autorisé point ça yo avec plaisir l'autre pour faire essentiel journal là après-midi dans intérêt public demain à 8h Liliana recevoir Patrick Almonor agent exécutif en après Cap Haïtien Abner Septembre qui c'est entrepreneur social dans domaine tourisme et puis Atkinson Belizer on plus connaît son nom Zagalo qui est habitué organiser événements culturels tant qu'au festival évidemment on va parler sur question vacances dans pays d'Haïti qui gens s'attayer qui gens ça y est jodi hein et qui gens ça t'a supposé que ça qu'on fait pour ça analyse commentaire c'est pral dans émission ça qui a passé à 8h demain mais n'a gagné un extrait. Et dans le journal l'après-midi, même j'en ai un extrait tout, émission Parler pour nous avancer, côté 2 mai, Marvel a recevoir à 1h, Dr. Jean-Enol Buteau, porte-parole ASSO, Alternative Socialiste. N'a pris en pause, n'a retourné. Une autre fois, monsieur, dame, bonsoir, bienvenue dans le développement. Point noté annoncé dans le titre. Et c'est à Krisa, Marie-Lucie Bonhomme, madame, Pierre-Louis Aupon, qui écrit un appel pressant pour demander libération Maril, Negaxam, kidnappé Bola Kali, jour 20 juin 2023, dans après-midi.
18 jours après enlèvement et séquestration Pierre-Louis Aupon. Notre ça a été choisi 7 juillet, donc jeudi à 8, ça fait 19 jours. 19 jours, jeudi à, après enlèvement et puis séquestration Pierre-Louis Aupon. Lui plongé dans incertitude et angoisse nous-mêmes, membres famille. Nous lançons un appel pressé pour demander libération. C'est un monde qui intègre, un papa qui est dévoué, un citoyen exemplaire qui servit pays avec honneur et dignité. Dévouement, M. Aupon, dans le service public de l'État, admirable et puis louable. Il était kidnappé le Bolaka et l'Itaba dans l'après-midi, mardi 20 juin 2023. Et situation Pierre-Louis Aupon, il a été chargé parce que santé nécessité pour le prendre chaque jour. Médicaments que le pas gagné dans elle, il pas gagné avec lui depuis 3 semaines qui longue en pile. Nous-mêmes dans famille nous inquiet en pile pour santé pour la ville et n'a demandé kidnappé yo pour yo faire preuve yo gain humanité la caillou. À travers appel ça, nous espérons toucher cœur ravisseur yo. Qu'a pris conscience douleur famille, amis qui désemparés. Nous voulons qu'il y ait espoir que dans l'humanité avec la solidarité société et les prévôts, les dominés et que Pierre-Louis Aupon les libérer en urgence. Libérer Pierre-Louis Aupon, c'est famille qui mettait appel ça, notre ça dehors. Il est signé par Marie-Lucie Bonhomme Aupon. Et madame Pierre-Louis Aupon, c'est journaliste Radio Vision 2000, nous songeait les mêmes tout. Mais Gagzam t'es kidnappé quelques jours avant ça, mais il était la gueule tout de suite. Il était passé quelques temps dans mes ravisseurs, il était la gueule tout de suite. Et quelques jours après, c'est Maril Pierre-Louis Aupon, monsieur yo kidnappé depuis mardi 20 juin 2023. Et depuis les ça, l'inamé, monsieur yo, il n'a pas pris un médicament lorsque. C'est un homme qui est malade, qui doit prendre médicaments chaque jour. Il n'a pas accès à médicaments. Eh bien, c'est sa famille dit, dans un appel, pour demander ravisseur, tant pis, libérer Pierre-Louis Aupon, parce que famille, les a en pile, tête chargée. Sur le même dossier, ça, secrétaire général, association journaliste haïtien, Jacques Desrosiers dit, cri d'alarme, association patron média, avec journaliste lancé, pour copropriété télé pluriel là Pierre-Louis Aupon, il gagne comme principal objectif permettre à monsieur Aupon qui c'est un membre corporation joindre libération sans perdre de temps. Dans une interview Libé Radio Kiskeya journée samedi, secrétaire général AGH là Jacques Desrosiers souligné depuis 3 semaines environ, responsable télé pluriel là qui c'est tout Marie journaliste Vision 2000 Marie-Lucie Bonhomme toujours dans main ravisseur qui exigeait paquet l'argent famille pas possédé pour la guille à la tête AGH là mandé autorité pour prendre disposition qui nécessaire pour camper couper phénomène insécurité et kidnapping non qui a une conséquence gros conséquence sur divers secteurs dans vie nationale. On côté secrétaire général AGH là Jacques Desrosiers qui a parlé dans micro Vladimir Maurice Ridoré. Il y a une association journaliste haïtien avec SOS journaliste, nous étions ensemble pour pousser un cri d'alarme, un cri de détresse, un réel en moué pour demander libération Pierre-Louis Aupon qui est copropriétaire télépluriel, lui-même tout qui est un ancien journaliste dans la télévision nationale d'Haïti, lui-même tout qui en même temps qui est Marie-Lucie Bonhomme qui est un journaliste, si tout le monde connaît. Donc depuis environ 20 jours, ils ont enlevé Pierre-Louis Aupon pendant qu'il a montré la KL. Depuis l'EA, c'est négociation par an avec ravisseur qui m'a dit une quantité d'argent que famille n'a pas cabaye, l'argent que famille n'a pas compté. Nous lançons que d'alarme ça pour demander ravisseur pour libérer Pierre-Louis Aupon sans condition. À qui sentiment n'a pas gardé tendance pour phénomène kidnapping non, qui frappe différents secteurs, là-dedans la presse reprend vitesse dans le pays, à toute
conséquences sont capables de gagner. Les conséquences qui kidnapping, il y a une sécurité généralisée, il y a un peu, il y a depuis plusieurs années, et que kidnapping, gagner conflit entre les bandes armées, gagner un climat de sécurité généralisée qui gagne des conséquences sur tout le monde dans le pays, qui sur tout le monde dans le pays, et qui gagne des conséquences tout sur la presse, tout. Tu comprends que, gagner Pierre-Louis Ponquet, au kidnapping, c'est copropriétaire télépluriel. C'est pas le premier monde qui subit ça kidnapping dans le secteur. Dans le secteur, il y a des journalistes qui ont été kidnappés, il y a même qui ont quitté le pays après des kidnappings. Il y a des journalistes qui ont été assassinés, qui quittent le pays à tout, qui journalistes tout, qui quittent le pays, qui parce que ils ont reçu une menace par rapport au travail qu'ils ont fait, par rapport aux photos qu'ils ont fait, etc. Donc son climat qui a une incidence sur toute société en général, mais sur corporation, sur journalistes, qui permettent que les journalistes aujourd'hui ne peuvent pas faire travail au libre-libre parce que ils n'ont pas qu'à circuler bien. Donc les problèmes de circulation dans le pays, information en particulier. L'information en particulier, nous avons dit que c'est la liberté de la presse qui menacée. Qui attend nous, bon côté autorité? C'est un cri d'alarme pour demander, premièrement, à ravisseur, libération Pierre-Louis Aubon sans condition. Et deuxièmement, pour demander à responsable l'État, pour prendre responsabilité, on a créé bon genre climat capable nous capable de circuler libre, tout le monde capable d'aller en activité sans inquiétude. Nous avons porté déclaration et secrétaire général AJH là, Jacques Desrosiers, qui a demandé pour libérer Pierre-Louis Aubon. Il y a un office de protection citoyen qui protestait contre montée qu'a kidnapping yo et qui mandait tout libération Pierre-Louis Aubon, il fait solidarité avec famille. À monde qui peut comprendre kidnapping non, li c'est une atteinte grave à liberté. Donc il atteint à liberté monde. Il viole tout droit moun ki kidnappé a ki trouvé à la merci de ravisseur. Nous pas gain droit pour rester indifférent devant phénomène ça qui cruel, qui révoltant et qui malheureusement a monté dans dernier jour ça yo après le te fin connait en tibès après opération autodéfense population qui était poussé à bout à cause exaction bandits. Office protection citoyen l'a attiré attention une fois encore autorité qui concernait yo sous phénomène kidnapping nan qui implanté depuis quelque temps dans pays a notamment dans région métropolitaine Port-au-Prince. Activité criminelle ça li déjà ruiné endeuillé traumatisé à vie en pile citoyen. Semaine ça nous ajouté dans longue liste Pierre-Louis Aubon ancien président conseil électoral provisoire Marie journaliste Marie Lucie Bonhomme de Radiovision 2000 Acte Télépluriel que Pierre-Louis Aubon c'est copropriété OPC qui a fait solidarité avec victime nan famille corporation journaliste yo avec l'autre victime qui toujours dans mes ravisseurs yo mandé autorité yo pour faire tout ça capable pour joindre libération monsieur Aubon qui a gagné bonne santé protection vie avec bien citoyen citoyenne c'est responsabilité de l'État lorsque l'État n'a pas protégé citoyen qui il y a des atteintes et des monde qui commettent atteinte contre citoyen ça yo et bien l'État partagé avec monde qui fait atteinte ça yo responsabilité tort yo infligé yo yon société pas capable de développer et sous l'obédience bandi et en dehors valeur universelle notamment protection la vie moun d'après ça maître Renan Edouville protecteur citoyen écrit dans une note qui sorti hier 7 juillet 2023 de OPC dénoncer assassinat les dénoncer dans première note à le fait que la justice n'est pas fait travail dans dossier assassinat et Jovenel Moïse là mais il dénonçait tout dans l'autre note kidnapping qui a recommencé valer terrain dans société dans zone métropolitaine là et notamment Pierre-Louis Aubon ancien président KEP qui est propriétaire yon télévision qui c'était les pluriel Marie journaliste Marie-Lucie Bonhomme qui nan men bandit qui te kidnappé depuis presque 3 semaines. L'autre nouvelle état santé, confrère nous Astrel Jean-Brice, qui te fait un AVC, pas suspendre, détérioré, malgré appel pour recevoir assistance soignante et lancé dans le jour passé. Isaac Ostiné, qui c'est neveu journaliste au Pic FM, Astrel Jean-Brice, lancé un coup de réel, un SOS pour demander à tout citoyen qui a une bonne volonté, à tout le monde, au niveau de l'État, pour te coller, pour permettre confrère à recevoir la soin
en République dominicaine. Dans une interview de Radio Kiskeya, jeudi samedi, Isaac Ostiné mande moun ki vle pote kole yo kapab kontakte fami an nan numéro sa 37 58 59 42 37 58 59 42 li souligne Astrel Jean-Brice jwenn passeport deja mais fami an manke moyen pou fè déplacement avec prise en charge an côté Isaac Ostiné neveu Astrel Jean-Brice ka pale nan micro Vladimir Maurice Ridoué Monsieur Ostiné Isaac Monsieur Astrel Jean-Brice, moi, après qui appelle ça, avec tout le monde qui a parlé. Ça fait une deuxième fois que je fais une intervention dans la radio. Donc, fois ça, je fais pour deux raisons. Première raison, c'est que je parle de sa santé actuelle. Et deuxièmement, moi, je voulais continuer ma solidarité pour elle. Comme je dis autrefois, actuelle, les 5 mois depuis de tomber, je fais souk. Jusqu'à présent, je ne peux pas parler. C'est une situation aggravante. Donc, maintenant, c'est un appendice avec tous les amis compatriotes actuels. Il est à supporter de toute façon. Le café de jeter juste parce que j'en ai là, il y a ciel pressé, pressé, pas besoin d'assistance, mais qu'on a perdu à ciel. Parce qu'on a demandé rapide ou intervention rapide pour assurer le cas, j'en ai moyen pour le déplacer pour l'agence de demain. Pour faire appel à tout le monde qui voulait sauver la vie, confrère là, pour ta permettre à la famille de joindre une assistance, mais en clair, qui sa famille a besoin pour nous permettre que confrère nous, Astrel Jean-Brice, le déplacer pour aller recevoir la soignée en République dominicaine, puisque tu es déjà un médecin qui était disponible pour permettre que Astrel lui-même lui joigne soin que cal nécessité. Jusqu'à présent, c'est moyen qui manque nous, parce que nous avons un docteur, nous avons dit ça déjà, nous avons un docteur qui vraiment appelle Astrel la République dominicaine, qui demande environ 500 000 dollars américains. Donc, pour le cas, bah, Astrel soin. Mais jusqu'à présent, tout intervention nous fait dans les médias, c'est des supports moraux. Nous avons des, pour le moment, on a parlé avant là, nous avons ça, nous avons un passeport déjà, nous avons un passeport. Astrel pas non seulement besoin de passeport, il a besoin de moyens pour ce domaine, et ensuite, il a besoin pour nos médias, et il a besoin de billets d'argent, parce que dans l'Italie, il n'y a pas qu'à monter machin. Donc, je pense que c'est ça, en gros. Mon autre bagage que je voulais ajouter, tout. Donc, moi, je voulais adresser avec cette entité dans le pays, parce que Astrel sont un public lié, Astrel c'est un journaliste de carrière, un journaliste honnête, et un monde qui fait environ 30 ans dans le pays. Donc, on a demandé avec un instant ça, tant qu'on leur prend un primature, qui est une personne morale, mais une personne physique, qui est un décadent PM à Ariel Henry. Donc, pour le temps, prendre Astrel là en considération. Donc, il y a un ministère de santé publique. Donc, on a parlé avec le ministre de la FED. On a adressé avec l'association des médias. Donc, pour le temps, prendre Astrel là en considération, une façon pour le café Astrel et faire des jeux. Dans le moment où on a parlé là, où dit état de santé confrère à la critique, est-ce que la bourse voit la soigne dans le centre hospitalier dans le pays ou bien les lakaïli? Est-ce que les conscients, les capables de communiquer avec le monde, les capables de parler? Qui est Astrel Jean-Brice? Parfois, on doit parler à Astrel, ils comprennent ce qu'on va dire. Et d'ailleurs, nous, quand nous voulons nous communiquer avec nous, nous avons une méthode nous utiliser. Nous prenons un carton, nous écrivons 26 lettres, nous faisons choisir les lettres. Mais le besoin de communiquer en message, donc nous construisons choix d'abonner. Donc, on veut sans ça, je veux dire. Donc, c'est comme ça que nous travaillons avec Astrel. Mais en termes de soins, nous avons dit en permanence, son médical en permanence, non, parce que moi, il manque. Mais famille, toute sa famille a été gagnée. Donc, nous avons fait épuiser. Tout ce mois, nous avons fait épuiser. Parce que, pour fond, les maladies, c'est la maladie de classe, la maladie qui m'a dit à pile, pour moi, pile moyen pour gérer ça. Donc, tout ce mois, nous avons fait épuiser. Donc, c'est quelques amis qui sont à l'étranger, qui comptent faire. J'ai fait avec. Si. Yon moun ta vle pote assistance li bay famyan pou permette Astrel Jean-Brice kapab deplase, koman l kapab kontakte nou? San kou pou visa, moun nan gen do achete visa, mette visa pou Astrel. Moun nan gen do achete billet d'avion. Et si moun nan vle pou, yon gen do bay kontak direct docteur la, donc pou li ka fè depo pou Astrel. Yon kontak avèk nou, moun nan kan ki an kontak avèk nou se numéro sa. C'est 37 58 59 42. 37 58 59 42. Non, tap côté déclaration en neveu, journaliste Astrel Jean-Brice, Isaac Ostiné, qui a parlé de besoin journaliste là, qui vivait jouer un passeport. Mais finalement, qui n'a pas moyen pour faire déplacement aller en République dominicaine, prise en charge là seulement pour 5 000 dollars américains, sans billets d'avion pour le voyage.